Alors, Gérard Mai 2012 se termine, pas de neige, seulement aujourd'hui, encore très peu, pas de grosses stars, mis à part la présence de Ron Perlman, pour lequel Jean-Jacques Hano et Jean-Pierre Jeunet sont venus faire un hommage, mais des films surtout. Et des films, il y en a eu des bons. Donc la compétition a démarré jeudi avec le film danois Beast, un film qui ressemble, qui n'aurait pas déplu à David Cronenberg, puisqu'on est en présence d'une histoire d'amour qui pourrit entre deux êtres. Donc on assiste à de l'horreur organique, de l'horreur, je dirais même clinique, avec un travail sur le son, un travail sur l'image. On a beaucoup de focales irisées. Je dirais que ce film est à voir. Ensuite, on a eu droit jeudi à La Maison des Ombres, The Awakening, un film britannique. Alors là, on est en face de vrai cinéma, d'un beau cinéma, c'est bien mis en scène. Mais le gros problème, c'est que les effets horrifiques sont ratés et on pense trop à l'Orphelinat qui est quand même bien supérieur à cette Maison des Ombres. Donc ça reste vraiment une déception, c'est un peu dommage. Le troisième film en compétition, c'était une comédie, une véritable comédie avec très peu d'éléments fantastiques. D'ailleurs, on aurait pu se poser la question de la légitimité de sa présence dans la compétition. Mais bon, quand on voit ce film qui s'appelle Pastorella, on rit énormément et on pense beaucoup à Alex de la Iglesia. Donc c'est une franche partie de rigolade un peu perverse, en espérant que le film ait le prix, ou voire le prix du public. Mes deux coups de cœur de la compétition, en tout cas, puisqu'il y en a un autre compétition dont je vous parlais après. Donc mes deux coups de cœur de la compétition, tout d'abord on a The Moth Diaries de Mary Aron, qui nous avait délivré il y a plus d'une dizaine d'années. L'excellent American Psycho. Donc en fait ça démarre comme un teen movie, donc là ça me faisait un peu peur, parce que le teen movie, avec tout ce qu'il y a de plus péjoratif autour de ce terme, et en fait on a une histoire touchante, attachante, à tendance romantico-gothique, d'une jeune fille qui intègre un pensionnat et qui va semer la zizanie parmi ses camarades, et qui se révèle être une vampire. Mon coup de cœur principal du film, et je pense que j'aurais pu m'arrêter là vendredi soir quand je l'ai vu, c'est le fabuleux film espagnol Eva, un film sur l'intelligence artificielle, totalement novateur, beau, émouvant, comme seul le cinéma fantastique espagnol peut nous en délivrer ces dernières années. Film de Quique Mayo, qui était d'ailleurs présent pour nous le présenter, qui nous a fait une présentation très sympathique, et très, très surprenante et très enjouée. Comment ne pas tomber amoureux de cette petite Claudia Vega, dont c'est le premier film, et qui joue le rôle de, mais on ne va pas le dire puisque le film va sortir bientôt et j'espère va obtenir un prix. En tout cas, c'est vraiment un film magnifique. On a l'impression d'être quelquefois dans les productions Amblin, mais pourtant ça s'en détache totalement. C'est un conte de fées, c'est un conte pour enfants. Mon coup de cœur hors compétition, parce qu'il y en a un, et je regrette que ce film ne soit pas en compétition, justement, c'est le film avec Ewan McGregor et Eva Green, qui s'appelle Perfect Sense, qui sort en salle fin mars. Et c'est une vision assez inédite de la fin du monde. Un film sur l'adaptabilité de l'être humain devant toutes les conséquences que la catastrophe, dont je ne vais pas trop dévoiler, se présente. Un film très positif. Un film sur l'amour, puisque le message délivré dans le film, c'est surtout il ne restera qu'une chose, et peut-être la chose la plus importante, c'est l'amour. L'humanité entre les êtres humains devant l'inévitable.